Salut à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Plants versus Zombies. Donc vous avez vu sur le mode Jardin et Cimetière, version classique. Et là on va faire de la coopération, soit le mode Jardin Ops. Alors je vais créer une partie. On va mettre la première map. Donc on va planter un jardin. Tellement, enfin, on va mettre des cryopois ici. Ça va mettre une plante de santé. Les zombies arrivent de là. Donc si jamais les zombies sont des IA, hein. Ok, ils arrivent par là. Ils arrivent par là. Faut que c'est en facile, je me suis dit pour commencer, on va mettre. Putain.
Putain, ça fait mal, c'est merde. Donc Kernel a choisi une plante carnivore. Vous voyez à quel point c'est utile les tournesols, c'est que ça permet de soigner. Donc pour ce mode de jeu, j'ai vraiment l'impression que c'est le top. On a raté notre objectif bonus qui était course précipitée, donc finir en moins d'un certain temps. Donc ils sont tous muets. Enfoiré là. On peut soigner même les plantes que l'on plante. Ça vient tout de là-bas. Vous avez vu, pour les boss, c'est une espèce de roulette. Merde, le Yeti m'a... Je le bourrine en plein dans le crâne. Je voulais m'acheter des plantes à planter, j'ai complètement oublié. J'espère qu'on pourra en acheter entre les parties.
Les plantes sont où? Les zombies plutôt. Alors là, vague 7 tout de suite. Oh, saloperie de caméra! Vous avez vu la vie qu'il a, ce mec? Voilà, donc on les a assez bien eu. Donc c'est un mode de jeu où on peut être jusqu'à 4 en coopération pour déferler. Donc vous allez voir des vagues de zombies. Alors je ne sais pas, je crois qu'il y a, je ne sais pas combien c'est. Je sais que moi j'avais fait ce mode de jeu avec le mode de jeu de joueur sur la Xbox One, qui il permet de jouer en coop. C'est illimité, mais je crois qu'il m'avait dit le gars chez qui j'avais joué que c'était pas illimité. Par contre, je fais n'importe quoi. Il me semble qu'on est une bonne équipe là. Ils vont vite, hein, quand même. Ça c'est les pires, c'est ces chiottes et ces tombeaux. Regardez, même une bombe ne les a pas, quoi. Thank you.
Alors, sur quoi on va tomber comme boss? Là, je l'ai bien bourriné, ça c'est bien. Bon, on a terminé la vague de boss. En dorgeant dans la zone d'atterrissage, je sais pas où elle est, apparemment elle est là. J'enchaîne les kills là. Mais je... Allez, plus que 20 joueurs, enfin 20 secondes. Allez, c'est fini. Toutes les plantes ont pris la fuite. Donc on a fini totalement cette partie. Bon, on avait mis en difficulté facile, donc c'est non plus pas un exploit.
Bref, donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut acheter des vignettes? Tiens. Nickel. Écoutez, on va s'acheter un pack de suprématie. Débloquer le mécano, ça c'est cool. Seriously, no one's talking. Plug out then. There you go. Rabbit hole. Bon, alors moi il me semble qu'on a la team parfaite, on a deux tournesols qui sont très importants car ils soignent, ils peuvent se soigner entre eux facilement. Normalement, si je n'ai pas fait de conneries, j'ai augmenté la difficulté, hein. J'ai mis en standard, puis j'ai changé de map. Ce sera donc un peu plus intéressant que la première. Ah, mais je suis con. Je lui tire dessus comme un abruti. Voilà, ça, ils sont bien emmués. Non, la fin n'est pas proche. Alors les zombies viennent de là apparemment. Donc pour chasser les chefs, apparemment il y en a un qui est là-bas.
Est-ce que quelqu'un va tenter de me réanimer ou y arrive pas? Je ne sais pas. Thank you very much. Bon bah on a échoué notre objectif bonus. Apparemment, il n'y a que des fantassins. Alors actuellement je suis premier. Ah, allez, ça c'est cool. Alors bon, ça, on a déjà tué un boss, ça, c'est déjà bien. Ah merde. Ah, il est génial ce jeu. Recharge.
apparemment il y a des zombies là. Et je suis toujours premier. Merde, quel con! On s'en sort pas trop mal, hein. On est toujours bon, bah, il y a une mission spéciale pierre tombale. On a réussi notre défi spécial pierre tombale. Ça permet en fait en gros de gagner des points supplémentaires. Voilà, objectif bonus terminé, 500 pièces. Et on a gagné je crois 250 pièces. J'ai mal lu, j'ai pas fait gaffe le chiffre, je crois que c'était 250. Ah, spécial mannequin bouclier. Bordel.
Bien. Donc je sais plus, je crois que c'était la vague 8, là on est à la vague 9 si je dis pas de bêtises. Et je suis passé en deuxième position. Ah non, c'est déjà la vague de boss. Oh, 3 Yeti. Non, j'hallucine. Ça va être chaud. Super Vaghetti. Régénérer. Allez hop, j'en ai déjà eu un. Donne-moi de la santé, mon petit. Il a été eu, apparemment. Ouais. Oh bon, on s'est bien débrouillé. Comme vous pouvez voir, les zombies grignotent le jardin. J'ai oublié de le préciser, ça. Et en grignotant le jardin, bah, ça fait baisser la santé du jardin en haut à gauche. Donc je ne sais pas où est la zone où on se barre là. Elle est là. Bon, il reste plus beaucoup de temps, 25 secondes. Je pense que c'est bon, hein, on devrait.
je l'ai eu. Voilà, il arrive, il arrive. Vous avez réussi à vous échapper. Apparemment, il y a une plante qui n'a pas réussi. Alors, je sais pas, il était pas dans la zone apparemment. Bon bah en tout cas c'était vachement sympa cette partie. Alors moi je vais quitter le salon. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. Et à la prochaine.